Jade, quel plaisir de se retrouver ici. Ça fait vraiment super plaisir. Maintenant, je suis vraiment lyonnaise. Ah, tu passes tout le temps. Je vois sur ton Twitter des week-ends à Lyon, tes semaines à Lyon. Demain, tu parles de quoi ? Eh ben, demain à 15h en salle gratte-ciel, je crois, numéro 2, je vais parler d'événementiel et de réseaux sociaux. En gros, comment maintenir l'intérêt de sa communauté une fois que l'événement est passé, que l'adrénaline n'est plus là, mais qu'on a toujours des choses intéressantes à dire. C'est ce qu'on est en train de faire, quelque part. Voilà, c'est exactement ça. Et à mon avis, ça pourrait peut-être s'appliquer à Blend. Enfin, je dis ça, je dis rien. On fait quand même pas mal de choses, tu vas voir, sur le hashtag de Blend Webmix, il est un peu chargé. Ah mais oui, mais justement, c'est ça en fait. C'est pendant l'événement sur les réseaux sociaux, tout marche super bien. Une fois que l'événement est passé, en fait, les gens sont désintéressés. Donc tout l'intérêt de ma conf, sans vanter, c'est de savoir que faire après l'événement. D'accord. Une fois qu'on n'a plus en fait toute cette actualité, ces conférences, ces trucs qui se passent pendant 2-3 jours. Et si j'ai bien suivi ton actu à toi, c'est ton boulot maintenant. Et oui, exactement. Maintenant, je bosse pour le salon InnoRobo. Voilà. Donc, je vais pouvoir appliquer à moi-même mes bonnes pratiques. D'accord. Donc, demain, 15h. Qu'est-ce que tu penses de cette édition ? Plutôt bien. Je trouve les conférences sont un petit peu plus variées, un petit peu plus diverses. Comme partout, il y a des choses qui m'intéressent plus ou moins, mais le niveau est vraiment bien. Et puis, c'est bien organisé. T'as vu, t'es sur quel track, toi ? Recherche, community manager, design, tech ? Alors, je suis biz, mais avec la petite fiole recherche. Ça me tient à cœur. Je l'ai même en badge. Voilà. Pareil. Hein. Donc on reconnaît les gens avec le petit badge qu'on distribue à l'entrée. Exactement. Très bien. Merci Jade, à demain. À demain.